Alors, deuxième grand point que j'aimerais évoquer avant que nous commencions la prière. Comment est-ce que la sorcellerie agit dans les familles et comment est-ce qu'elle se transmet? Ça va, vous êtes avec moi? Vous pouvez m'aider à ouvrir ça. Alors, la sorcellerie se transmet de plusieurs manières. Je notais trois manières. Je vais parler de choses très sérieuses. Écoutez bien. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle l'héritage de la sorcellerie. Il y a dans certaines familles, la sorcellerie est pratiquée comme une culture. On vous dira que chez nous, c'est la culture d'être sorcier. Ça existe. Il y a des familles, des dignitaires, des familles royales, des familles qui ont un certain rang dans la société, un certain pouvoir. Eux, la sorcellerie est un rite de famille. Frères, sœurs, c'est dangereux. Et comment ça se passe? Là, je veux parler plutôt de cas beaucoup plus, on voit en Afrique, aux Antilles. Vous avez déjà entendu parler de chef de famille ou chef coutumier? Hein? Le chef coutumier. Quand le chef coutumier parle, attention. Le chef coutumier, en réalité, ce sont des gens qui font des pactes ou des alliances avec le monde occulte dans le but de garder leur terre et de garder leur famille. D'où la sorcellerie des familles. Et on vous dira que cette sorcellerie-là, elle est bonne. Ou encore la magie blanche, elle ne fait pas du mal aux gens. Mais elle est mauvaise parce que le diable ne donne jamais rien de bon. Et vous allez voir que dans chaque pacte qui est noué, écoutez bien, ne dormez pas, qui est noué avec le monde occulte, il y a toujours deux parties, deux choses qui sont faites. Il y a quelque chose qu'on offre à Satan. Et il y a quelque chose que Satan vous donne. Dans le pacte, il n'existe pas de pacte où tu ne sacrifies pas. Et le pouvoir du pacte, et le pouvoir, je dirais, qui va émaner de ce pacte, dépend de la qualité de tes sacrifices. Plus le sacrifice est grand, plus le pacte est haut. Avec les effets. Je vais m'expliquer, je vais te donner des exemples palpables et tu vas bien comprendre. Le chef de coutumier, le chef de ta famille, peut-être pas tes parents directs, ton grand-père ou ta grand-mère, ton arrière-grand-père ou arrière-arrière-arrière-grand-père, a fait un pacte pour te protéger. Oh non, je vais protéger mes enfants. Je vais protéger ma descendance. Mais Satan va lui dire, ok, tu veux que ta famille soit protégée? Donne-moi tout leur mariage. Dans ta famille, personne ne va se marier. Et toi, tu ne comprends pas, même quand tu viens à Jésus, difficile pour trouver le mariage. Il y a un pacte qui a été signé. Alléluia. Un homme dans la famille dit, bon, moi je veux être riche. Et pour être riche, j'ai besoin d'être milliardaire, millionnaire. On te dira, ok, sacrifie-moi. Dans chaque génération, il faut qu'il y ait un enfant mongol. Il faut qu'il y ait un enfant autiste. Il faut qu'il y ait un enfant. À chaque fois que vous voyez cela, et je ne m'irai pas heurter quelqu'un, mais je vous dis les choses qui sont vraies. L'autisme n'est pas normal. Avoir des enfants mongols, ce n'est pas normal. Si vous lisez bien la lecture de votre famille, avec l'Esprit de Dieu, vous allez remonter, vous allez trouver que quelqu'un avait fait un pacte. Et ce pacte-là réclame dans la succession des familles qu'il y a un enfant mongol, un enfant autiste, un enfant bizarre, un enfant dérangé, sur le plan mental. Pacte. Tout dépend du sacrifice. Quelqu'un d'autre dit, je veux ceci. Il dira, ok, dans ta famille, on ne dépassera pas l'âge de 50 ans, 60 ans. Vous voyez dans des familles où à chaque fois qu'on atteint un certain âge, il y a toujours des morts précoces, des morts bizarres, des morts, des morts, des morts et des morts. Sorcellerie générationnelle. Héritage de la sorcellerie.
Et quand le chef doit mourir avant sa mort, on doit initier un aîné. On doit initier quelqu'un. Et si tu refuses d'initiation, soit tu détruis ton avenir, tu hypothèques ton avenir, soit tu deviens fou. J'ai vu des gens devenir fous parce qu'ils ont refusé d'accepter l'héritage de la sorcellerie familiale. Est-ce que tout le monde est là avec moi? Est-ce que tout le monde est là avec moi? Et qu'est-ce que maintenant ils vont te donner en échange? On va te donner une canne. Vous avez vu dans les chefs de village, souvent ils ont des cannes comme ça. Canne avec, avec la peau de chèvre. Ou la peau d'un lion. Hein? Il a une trousse comme ça, avec une peau, avec la queue de la queue d'un renard. Qu'est-ce que tu fais avec la queue d'un renard? Alléluia. Et dans ce pacte-là, on dit non. Toute personne qui va hériter la sorcellerie doit avoir, en plus de sa ceinture, à l'intérieur, une ceinture de sécurité. Un fil rouge. Qu'est-ce que tu fais encore avec le fil rouge? Ceinture. D'autres encore, on te donne une bague. D'autres encore, un bijou. Un collier. Tu n'as pas compris? Un jour, tu as volé la bague de l'oncle. L'oncle s'est fâché. Pourquoi il se fâche? Il ne peut pas s'acheter une autre bague. Il y a bague et bague. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Quand il y a eu le pillage en RDC dans les années, il y a longtemps, il y a un voleur qui est rentré dans la maison d'un grand musicien sorcier, Kofi. Vous connaissez ce musicien? C'est un vrai sorcier, ce monsieur. Ouais. Le gars a volé la bague. Il n'a pas dormi la nuit. Le lendemain, il est venu rendre. Vous avez déjà vu un voleur venir rendre ce qu'il a volé? Attention au village. C'est pourquoi, allez en Afrique, vous allez voir. Il y a des terres, tu ne prends pas par la force. Sans l'accord du chef du village. Tu as pris par la force, dors. On va voir si tu vas dormir. Tous les jours, on va faire du tam-tam devant chez toi. Tu dis, je n'arrive pas à dormir. On joue du tam-tam chez toi. On joue et la musique folklorique. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a une réclamation. Je sais très bien de quoi je parle. Amen. Amen, amen. Maintenant, quand vous êtes issu de ces familles-là, bien aimé, vous allez voir beaucoup de mauvaises pratiques qui se passent là où il y a des sorcelleries qui viennent par l'héritage. Très souvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans les familles? L'inceste. Et dans beaucoup de familles, même ici en Europe, en France, l'inceste est rentré. On nous apprendra il y a 2 jours, lorsqu'on était sur le plateau, qu'il y a un papa qui venait d'engrosser sa fille de 12 ans. Est-ce qu'il est normal, ce monsieur-là? Tu peux engrosser ton enfant de 12 ans. L'inceste. Garçon avec fille, cousin, cousine. Et c'est grave, surtout pendant les vacances comme ça. Waouh! Surveillez! Veillez sur vos enfants. Amen. Amen, amen. Beaucoup de choses sales se passent dans les familles. Deuxième lien de transmission, deuxième moyen de transmission de la sorcellerie dans les familles, c'est le lien de sang. Dis avec moi, lien de sang. Là, nous sommes dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Et vous allez lire également Ézéchiel 16, 1 à 7. La sorcellerie peut se transmettre aussi par le sang. Je vais m'expliquer. Si vous avez un parent direct qui est sorcier, votre papa ou votre maman qui est sorcier ou sorcière, vous avez en vous les prédispositions de la sorcellerie. C'est-à-dire, vous êtes un potentiel vrai sorcier. D'une part. D'autre part, la sorcellerie agit facilement dans votre vie. Pourquoi? Parce que l'un de vos parents vous a légué son sang. Nous avons tous le sang de nos parents en nous, qui coule en nous. Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des enfants qui vont vous dire, moi j'ai eu la sorcellerie quand j'étais dans le ventre de ma mère. Comment est-ce qu'un enfant peut devenir sorcier pendant qu'il est encore embryon, fœtus? Lien de sang. Amen. Et ça, beaucoup de gens sont concernés. Et on reçoit des gens, pasteur, ma vie ne va pas.
Et pour savoir qu'on a ce lien-là, on a la sorcellerie qui vient par le sang. Vous allez voir beaucoup de blocages. Les signes que la sorcellerie agit dans la famille, beaucoup de blocages. Des choses difficiles à voir dans la vie. Les échecs répétitifs. À l'école, on n'arrive pas à bien travailler. Les enfants sont intelligents, mais n'arrivent pas à aboutir aux études, dans les études. L'enfant étudie, mais au milieu de l'année, l'enfant a le dégoût d'aller à l'école. Et on le voit ces choses. L'enfant qui se révolte du jour au lendemain, plus rien n'avance. Ça, ce sont des signes. Ou encore, pendant que tu dors, tu rêves. Qu'est-ce que tu rêves? Tu es toujours en train de te laver dans l'eau. Car il y a des gens comme ça. Toutes les nuits, ils sont là, au bord de la Seine, en train de se noyer, plutôt de se laver, de se baigner. Présence de la sorcellerie. Certains enfants, quand ils naissent avec des signes. Avez-vous déjà vu des enfants naître avec des signes? On m'a parlé d'un homme lorsqu'il était né, il était avec un signe de la croix ici. Apparemment, il avait des pouvoirs qui faisaient peur, trembler même ses parents. Ça, c'est pas bon, ça. Un enfant qui naît avec des tatouages bizarres, des choses bizarres. Sorcellerie. Amen. Amen. Et il faut que ces liens-là soient coupés. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut couper ce lien-là. La Bible dit que ce n'est pas par de l'or, par de l'argent que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais c'est par le sang de l'agneau. J'aimerais dire à quelqu'un ici, même si ton père ou ta mère était dans la sorcellerie, lorsque tu acceptes Jésus, le sang de Jésus entre dans tes veines et le sang de Jésus commence à te purifier, le sang de Jésus commence à te laver et les liens de la sorcellerie vont commencer à être coupés. Je vais vous donner un témoignage de ma vie. Frères, sœurs, j'avais donné ma vie à Jésus, je servais le Seigneur déjà, mais je ne savais pas que j'avais en moi des liens de la sorcellerie. Vous voulez que je vous dise? Qui veut entendre ce témoignage? Et là, touche ton voisin comme ça, dis-lui, écoute ce témoignage, écoute ce témoignage. En 2001, précisément, j'habitais encore Nanterre, j'étais célibataire. Je prêchais déjà la parole de Dieu, j'étais serviteur de Dieu, mais il y avait encore des liens. Parce qu'il y en a qui ne croient pas aux liens. Moi, je crois que les liens, on peut les avoir, je le crois. Parce que dans Luc chapitre 13, on nous parle d'une femme qui était courbée, n'est-ce pas? Et Jésus, quand il l'a délivrée, il a dit, ne fallait-il pas apporter la délivrance dans cette femme que Satan liait captive, qui était une fille d'Abraham? Donc, elle était fille d'Abraham, fille de l'Alliance, mais liée, que Jésus a déliée. Amen. Il y a des gens qui sont liés. Et vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit m'a dit, je sentais des limites. Vous savez, quand la sorcellerie est dans votre vie, vous pouvez sentir, même si on ne vous dit pas, mais vous sentez que vous êtes comme limité. Qui sent ça? Ok. Tu sens que tu es limité. Tu n'arrives pas à avancer. Tu mets un pas, tu as l'impression que tu as une laisse, quelque chose t'attache. Tu fais deux pas en avant, t'en fais 10 en arrière. Tu es comme en prison. C'est ce que je ressentais. Dans mon adolescence, j'ai beaucoup souffert. J'étais très malade, très souvent à l'hôpital. Très souvent. Des fois, on ne comprenait pas. J'avais l'asthme, une maladie chronique. J'avais des maladies qui apparaissaient bizarres. Et quand Dieu m'a dit, entre en jeûne, j'ai fait 40 jours de jeûne. Dis avec moi 40 jours. Quelquefois, si vous voulez détruire les œuvres de la sorcellerie, vous devez vous-même vous engager dans le combat spirituel. J'ai fait 40 jours. J'ai jeûné, je travaillais dur à cette époque-là dans le bâtiment. C'était dur, oulala. Frère Simon connaît. Voilà, voici, le frère d'ailleurs, il m'accompagnait souvent. On était ensemble à l'intercession. Moi, j'habitais Nanterre, lui, Riel, ma maison. Frère, j'allais au boulot. Je jeûnais, je priais. Et je me rappelle très bien, le 35e jour de mon jeûne, alors que j'étais rentré à la maison, j'étais fatigué. Je me suis mis à genoux, les forces me manquèrent. Je n'arrivais plus à prier. J'ai commencé à vouloir prier un peu. Je sentais mon cœur qui battait. Boum, 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 boum. Et je commençais à vomir. La bave commençait à sortir de ma bouche. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais l'impression que je mourais.
À l'époque, j'étais fiancé. Je n'ai même pas osé appeler ma fiancée. C'est qui est ma femme aujourd'hui. Je dis, mais moi, je veux me marier. Je ne vais pas mourir maintenant. Ah! Alléluia. Alléluia. Frère, c'était compliqué. Je me suis rappelé que c'était un mercredi, qu'à l'église, il y avait l'intercession. J'ai appelé une jeune femme qui était là-bas, Malaika. Elle dit, priez pour moi, je ne me sens pas bien. Et j'étais là, à genoux comme ça, devant mon canapé. Je priais, et je vomissais. Et là-bas, à l'église, là-bas, j'étais en train de prier. Nous prions pour notre pasteur, nous prions que Dieu. À l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais ancien. Ancien Douglas. Ils ont prié pour moi. Frère, je crois à la puissance de la prière. Oh, je dis, je crois à la puissance de la prière qui est capable de détruire les œuvres de la sorcellerie. Ils ont prié pour moi. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit a ouvert les yeux à quelqu'un. En fait, la personne, pendant qu'ils priaient, ils étaient, je crois, 4 ou 5. Ils m'ont vu, moi. J'étais comme dans une forêt. J'étais là à genoux, attaché autour du feu. Il y avait des gens autour de moi qui s'apprêtaient à me faire un sacrifice. Je devais mourir. Mais quelque chose s'est passé. La main de Dieu est venue du ciel. Et lumière est venue là où j'étais. Les chaînes qui me liaient sont tombées et j'étais délivré. En fait, ils m'ont vu, j'ai disparu. Bien-aimé, je vous assure, depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais été tombé malade. Jamais je me suis retrouvé à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Dieu m'a délivré. Dieu m'a libéré. Dieu m'a affranchi. Et il m'a dit, parce que tu as été libéré, je te donne maintenant le pouvoir d'aller et de libérer tous ceux qui sont captifs. Les blocages sont tombés. Frères, sœurs, les liens de sang existent. Et quand vous scrutez nos familles, frères, vous allez remarquer que dans nos familles, il y a la sorcellerie. Regarde bien, du côté de ta mère et du côté de ton père, il y a la sorcellerie. Il y a la sorcellerie paternelle, la sorcellerie maternelle, et toi tu es au milieu. Tu es la somme de toutes les sorcelleries. Frère, sœur, et tu veux prendre ta vie à la légère? Est-ce que je peux vous donner quelques signes? Que vous pouvez reconnaître qu'un enfant peut manifester un signe de la sorcellerie. Bon, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. Je vais souhaiter. Ah, vous voulez que je donne ou vous voulez que je passe? Non, c'est à vous de me dire. Vous voulez que je donne ou que je passe? Bien, je réponds à ta question. Alors, regardez quand quelques signes. Je vais juste énumérer rapidement. Hein. Si toi-même tu te retrouves, c'est que tout à l'heure, on va prier pour toi. Quelques signes de la sorcellerie. Pour savoir qu'il y a l'envoûtement de la sorcellerie dans ta vie. Je vais commencer d'abord chez les enfants. Quand tu remarques que ton enfant est têtu, quelque chose ne va pas. Regarde-les très bien. Quand tu vois que ton enfant a un cœur tellement dur, comme une pierre, comme un roc, il peut avoir problème de la sorcellerie. Quand tu observes ton enfant, tu vois que ton enfant, à son âge, il a peut-être 3 ans, mais il a une stratégie de mensonge qui te dépasse. Quelque chose ne va pas. Tu m'entends? Quand tu vois ton enfant, il a peut-être 2 ans, mais quel orgueil! L'enfant, j'ai vu des enfants, tu regardes de haut en bas, un enfant de bas en haut. Et puis il marche avec toi. Dis à ton ami, quelque chose ne va pas. Non, dis-lui, quelque chose ne va pas. Quand tu vois ton enfant, malgré tous les soins que tu veux lui donner, mais lui, il aime trop la saleté comme les cochons. Quelque chose ne va pas. Amen. Amen. Un enfant qui est en train de grandir, qui est encore tout petit, mais il dégage une odeur comme des boucs. Quelque chose ne va pas. Même chez les adultes aussi. Hein? Il y a des gens, même quand ils se lavent, ils se parfument et tu dis, mais waouh, quel parfum. Vous rigolez, non? Et quand tu dégages ce parfum-là, démoniaque bien sûr, tu repousses les hommes, tu repousses les femmes.
Tu vois là, oh mais frère, je n'arrive pas à me marier, mais quand une soeur s'approche, détournement de direction. Il y a un problème. Amen. Amen. Tu as un enfant qui n'écoute jamais quand tu lui parles. J'ai dit bien jamais. Très turbulent. Tout enfant est dynamique. Je ne parle pas de ça. Hein? L'enfant aime jouer, bouger. Des fois, ils font des bêtises. Ça, c'est commun à tous les enfants. D'accord? Mais il y a des degrés quand même. Toi-même, tu sens que ça là, c'est pas normal. Ne prends pas ça à la légère. Quand tu vois ton enfant très intelligent à l'école, mais n'arrive jamais, il échoue. L'échec scolaire. C'est comme si l'enfant est intelligent, mais il y a comme un blocage. Signe de la sorcellerie. Tu as ton enfant, mais tu as l'impression qu'il n'est pas là, il est ailleurs. Et il est là, mais il est dans un autre monde, distrait, son esprit est ailleurs. Présence de la sorcellerie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu vois des enfants, même des adultes aussi, désordonnés comme tout, il y a des maisons, je vous assure, il faut prévenir 2 jours à l'avance que vous allez faire une visite. Tellement que le désordre est devenu norme. Vous savez, il y a des gens qui sont désordonnés à cause des démons. Hein? Il y a un esprit, quand il a possédé quelqu'un, il le poussait à vivre dans les cimetières. Un homme sensé ne peut pas vivre dans un cimetière. Pour vous montrer le degré, au fait. Un enfant, peut-être le cadet, mais il a l'esprit de domination. Il veut mater tout le monde. Il mate ses grands frères, ses grandes soeurs, même ses parents. Et en France, maintenant, on appelle Super Nanny. Pour venir calmer les enfants. Dis à ton ami, laisse Super Nanny tranquille. Non, non, tu ne l'as pas bien dit. Dis-lui, laisse Super Nanny tranquille. Elle a du succès ces derniers jours. Hein? Ah! Tout le monde l'appelle. Incapable de maîtriser son enfant. Amen. Tu as un enfant, mais tu as l'impression que sa croissance est bloquée. L'enfant ne grandit plus. Stoppé. Esprit de sorcellerie. Quand la sorcellerie arrive, il peut bloquer la croissance même des enfants. Voyez un enfant, à 3 ans, l'enfant ne marche pas. Il y a un problème. L'enfant doit marcher. Dis avec moi, l'enfant doit marcher. Bloque la croissance. Un enfant est encore tout petit, mais il s'intéresse trop aux choses des grands. Comment un enfant de 3 ans peut s'intéresser à la sexualité? Suspect. Frère, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Ce sont des choses que nous voyons dans les familles. Vous allez voir un enfant qui est là. Vous le voyez enfant de 3 ans, 5 ans. Mais quand vous regardez son visage, oh, comme si l'enfant est vieux, quoi. Il est vieil. Dis avec moi sorcellerie. Dis avec moi sorcellerie. Ça vient aussi avec les adultes. Tu es là. Tu es jeune, mais on a l'impression qu'il y a un masque de vieillesse sur toi. Tu as 23 ans, tu ressembles à quelqu'un qui a 65 ans. Un visage compliqué. Dis avec moi sorcellerie. Non, dis avec moi sorcellerie. Non, vous rigolez. Vous, les sœurs qui êtes là, surtout ici à l'église, je vous connais. Vous là, vous aimeriez épouser quelqu'un qui a un masque de vieillesse? Quelqu'un m'a dit, mais il y a ce frère-là, vraiment, son visage. Eh bien, mais le visage. Il dit, frère, il faut prier que l'onction vienne sur ton visage. Vous savez, quand l'onction de Dieu vient sur son visage, même ton visage peut briller. N'est-ce pas? Même sans fond de teint. Parce qu'il y en a qui sont beaux. Belle plutôt, parce qu'elle met des fonds d'état. C'est pourquoi avant d'épouser, va les voir quand elle vient de se réveiller. Parce que dimanche, c'est facile. Quand tu te réveilles, on va voir la forme de tes yeux. On va voir ta peau.
Quelqu'un peut dire monte encore? C'est pourquoi ces personnes qui mettent trop le fond d'été n'aiment pas trop quand il fait chaud. Hein? Parce que la chaleur, la transpiration, ça défigure un peu. Et bon, bientôt on va mettre la clim. Alléluia! Alléluia! Comment toi tu es un enfant comme ça? Moi je viens un enfant qu'on m'a amené. Mais oh, mais cet enfant, elle a 5 ans. Elle dit, mais papa, dans la sorcellerie, je suis un vieux monsieur, je suis marié et j'ai des enfants. 5 ans. Oui. Et quand un petit comme ça vient chez toi, tu l'as hébergé sans demander l'aval du Seigneur. Waouh! Comment il va jouer avec ton couple? Comment il va jouer avec ta famille? Il ne te faisait pas arriver, vous avez hébergé quelqu'un, depuis que vous avez hébergé la personne, dispute. Les maris et la femme ne s'entendent plus. Des disputes, des querelles, des guéguerres interminables. Sorcellerie. Parce que la sorcellerie peut agir de près tout comme de loin. Mais elle est très dangereuse quand elle est de près. C'est pourquoi un sorcier, pour t'attaquer, mieux t'avoir, même s'il est loin, il va tout faire pour s'approcher de toi. Tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Et là, je vais parler maintenant des adultes. Regardez maintenant les signes de la sorcellerie chez les adultes. Prépare-toi, attache bien ta ceinture. Toi, quand tu dors, à chaque fois, on t'étrangle. Il y a des gens qui sont étranglés, non? Étranglés. Et puis, ils crient au nom de Jésus, ça ne sort pas. Pasteur, j'ai crié au nom de Jésus, mais... Suspect. Faites attention aux songes. J'ai connu... dans une famille proche, deux filles qui sont mortes parce qu'elles ont eu des songes. Elles ont minimisé. Elles n'en ont pas parlé pour la prière de délivrance. Elles en sont mortes dans leur sommeil. Frères, sœurs, Dieu parle souvent dans les songes. Et souvent, les attaques de la sorcellerie, on le ressent aussi dans les songes. Ne minimise plus tes songes. Amen. Ou tu te sens paralysé. Rentre dans la prière. Des mauvais rêves. Savoir que la sorcellerie agit. À chaque fois que tu dors, tu vois des serpents, tu vois des bêtes bizarres, des dragons te poursuivre, t'attaquer, des crocodiles, des chiens. Fais attention. Toi, tu dors, tu te vois en train de te marier pendant la nuit. Oh, on ne se marie pas la nuit. Je peux parler à quelqu'un ici? Et tu veux, on te met l'anneau. Une fois, je rêvais, il y a très longtemps, j'étais déjà marié. Une femme vient me mettre l'anneau. J'ai crié sans effet. Moi, je suis marié. Quel anneau tu veux me mettre? Ah oui, frère, attention. Il y a des esprits de maris de nuit et des femmes de nuit qui travaillent dans les familles. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Toutes les nuits, tu es visité par un mari de nuit. Il y a des gens même qui ont peur de dormir parce qu'ils savent, même quand ils font une sieste de 10 minutes, visite. Mari de nuit. Il y en a, tu vois le visage, il y en a, tu ne vois pas le visage. Sorcellerie. Parce qu'il y a des sorciers qui vous violent la nuit. Il ne sait pas comment te violer la journée. Il vient la nuit, mystiquement, et te viole. Et beaucoup de gens souffrent des phénomènes de mari de nuit, femme de nuit. Et il y a des conséquences de mari de nuit et de femme de nuit. Vous savez, quand une personne a souvent des rêves de mari de nuit, de femme de nuit, souvent, elle va remarquer la présence du célibat. Si ce n'est pas le célibat, si tu es marié, parce que les maris de nuit sont des, ou des femmes de nuit sont des esprits très jaloux, tu vas voir toujours, il y a une guerre dans ton couple. Il y en a même qui dorment, le mari et la femme dorment la nuit, mais vous avez l'impression qu'il y a une troisième personne qui dort au milieu de vous. Qui est là au milieu? C'est qui dort entre toi et ton mari? Ou tu dors alors que tu es marié, tu te vois en train de faire des rapports sexuels avec ta femme ou ton mari dans la nuit. C'est bizarre. Dis à ton ami, c'est bizarre. C'est bizarre. Dis-lui très bien, c'est bizarre. C'est bizarre. Et le mari qui est marié, il voit que son corps d'homme ne fonctionne plus. Impuissant sexuel. La femme qui devient frigide. Ça, c'est son dessin. Tu es là. Tu sens le savoir, tu as une colère excessive, tu peux tuer quelqu'un. Sorcellerie.
Quand la sorcellerie agit, frères et sœurs, c'est très dangereux. Très, 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 très dangereux. Et ça peut provoquer même jusqu'à des maladies. Vous avez déjà entendu chez les adultes les maladies? Aujourd'hui, est-ce que vous savez que la plupart des maladies qu'on appelle AVC, ce sont des attaques de la sorcellerie? Pas tous, pas toutes les maladies, mais la plupart. Il était bien aujourd'hui, le lendemain, AVC, parti. Arrêt cardiaque, tout, fini. Tu sors de ta douche, tac, boum, kosikibota, on te parle, puis tu tombes, fini, parti, tu meurs. On t'a frappé avec un bâton ici, là, bam, tout, tu tombes, raide mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On fait l'autopsie, on ne voit rien. On ne voit rien. Pourquoi? C'est une maladie, moi je les appelle des MST. Maladie spirituellement transmissible. Toi tu connais les MST, maladie sexuellement. Mais il y a aussi des maladies spirituellement transmissibles. On t'a pratiqué la sorcellerie, on a cassé un œuf devant ta porte. Et toi, tu marches aussi dessus. Hey, qu'est-ce que je fais? Et durant deux jours, tu commences à avoir un petit bouton. Le bouton gonfle. Et puis le pied pourri. Mbassou. Bam! Balle mystique. Il y a même des gens qui ont été attaqués par la sorcellerie au téléphone. Au téléphone. Faites attention aussi au coup de fil masqué à 1h du matin, 2h du matin. Pourquoi tu m'appelles avec téléphone masqué à 1h du matin? Une fois, j'ai pris le téléphone comme ça. Et personne ne parlait. Et j'entendais des sons bizarres. L'Esprit de Dieu m'a dit, raccroche. C'est une attaque. Et un homme de Dieu m'avait dit, il est déjà décédé. Il m'avait dit, un jour, quelqu'un l'a appelé. Et quand il parlait avec la personne, il a entendu quelqu'un tirer un coup de feu. Pam! Il a reçu une balle mystique. Frère, ce monde n'est pas seulement physique. Je ne veux pas que tu deviennes paranoïaque, mais j'aimerais que tu deviennes conscient de la réalité d'un monde invisible. Alléluia. Et le but, c'est quoi? Que tu deviennes un chrétien sérieux. Tu m'entends? Un chrétien fort. Et là, on ne pourra pas te bouffer. Comment ça se fait que même les chrétiens, on les mange? Même les chrétiens. Non, il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Il provoque des maladies, des fibromes. Des maladies des fois que la médecine ne voit pas, des fibromes, des kystes, des myomes. Une femme m'a dit, mais parce que j'avais l'impression, j'étais enceinte de mon mari, mais je viens, le ventre m'a gonflé. Il va voir les médecins comme ça. Non, il n'y avait que du vent. Quelle déception. La sorcellerie fait des dégâts. Sans parler du divorce et remariage, pour un rien. Ta femme t'énerve, ton mari t'énerve. Tu commences à être méchant vis-à-vis de ta femme, méchante vis-à-vis de ton mari. Tu ne veux plus le supporter. Tu préfères être seul. Tu le déclares même, j'aime bien être seul alors que tu es marié. Alors que tu ne sais pas que la sorcellerie est en train d'agir pour te pousser à te séparer. Parce qu'ils veulent viser la destruction de ta famille. Parce que si ta famille est détruite, dis-toi que même tes enfants vont en pâtir. Ça, ce sont leurs œuvres. Amen. Troisième moyen, et je termine là. Troisième moyen par lequel le diable travaille, il transmet la sorcellerie dans les familles. Dis avec moi les rites et les pratiques. Les rites et les pratiques, je veux parler de deux rites. Premièrement, les rapports sexuels. Frères, sœurs, les relations sexuelles sont des voies d'entrée de la semence de démons. Il y a des gens qui ont contracté la sorcellerie parce qu'ils ont eu des rapports avec des hommes ou des femmes qui avaient la sorcellerie. Et ils déposent en vous leur semence. Et cette semence est envoûtée. Parce que lorsque tu t'accouples avec un homme, selon la Bible, vous devenez une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Faites attention. Jeunes, vous qui voulez vous marier, oh non, on va goûter avant. Il n'y a rien à goûter avant. Rien à essayer avant. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui ont épousé des sorciers. Vous allez voir leur couple instable. L'instabilité, rien ne marche. Problème de pauvreté, désordre, confusion, mésentente, colère à échec,
l'homme ou la femme va se plonger dans la drogue ou dans l'alcool. Et ça va ouvrir des voies à des choses horribles. Tout ça dans le but de détruire. Deuxième moyen dans les pratiques, j'aimerais parler des coutumes et des traditions. Et je termine là. Il y a des familles où la sorcellerie rentre dans la vie des enfants, ou vient dans la vie des personnes, par les pratiques. Et je vais en citer trois par exemple. Je donne un exemple. À la naissance, il y a dans certaines familles, lorsqu'un enfant naît, on doit prendre son nombril et aller enterrer ça sous un arbre. Sans le savoir, il y a des pratiques de la sorcellerie qui sont faites des ans. Il y a d'autres familles, lorsque le bébé est né, on le prend et on le lave avec les feuilles d'un arbre. Encore avec les os d'un animal. On avait prié à l'époque où quelqu'un, quand il était enfant, on l'avait lavé avec les os d'un gorille. Vous avez entendu parler de ça, non? On te frotte bien avec les os d'un gorille. Soi-disant pour avoir la force, quoi. Un kombosu. Comme ça, toi, tu vas terroriser tout le monde. Mais sans le savoir, on t'a fait rentrer dans la sorcellerie. Amen. Quand tu es né, on t'a lavé avec quoi? Quand tu es né, ton nombril l'a enterré où? C'est des choses à savoir. Amen. Amen. Oh. Il y a des enfants quand ils naissent, tout de suite, on les amène chez les marabouts, les charlatans, et ils vont leur faire des incisions. Là, tiou, tiou. Le sang coule. Mais tu ne sais pas qu'il y a un pacte de sang. On t'a lié à quel esprit? Quelqu'un ici, on a déjà fait des incisions? Inconsciemment peut-être. Ok, merci. Il y en a qui sont là, ils n'ont pas levé leur main. Mais on va prier. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Et vous aussi qui allez chercher les tatouages, vous cherchez quoi? Et regarde ton voisin, dit lui, qu'est-ce que tu cherches dans les tatouages? Aujourd'hui, vous voyez des gens, vous vous demandez, mais c'est un homme ou c'est un animal? Et il s'est tatoué, dos tatoué, bras tatoué, même le visage. Mais tu es un démon. Et c'est des voies d'entrée. Si vous lisez dans Lévitique, Dieu avait interdit le tatouage. Est-ce que vous savez ça? Chrétien, toi qui t'as dit, ouais, où est le mal? Le mal, c'est que tu ouvres des portes aux démons. Après, tu ne comprends pas, ma vie est foutue, je ne comprends pas ma vie, vraiment, parce que je ne comprends rien. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Continue. D'autres pratiques pendant le mariage, les cérémonies de mariage. Qu'est-ce qui se passe pendant la cérémonie de mariage? Toi qui veux te marier ou toi qui t'es marié? Il y a beaucoup de pratiques de sorcellerie qui se font pendant les mariages. Je l'ai déjà dit, mais je veux le redire encore. Toi, pour la dot, on va te demander une machette ou un fusil. C'est pour faire quoi avec? Et toi aussi, tu prends, oh papa, j'ai amené mon fusil, voici. Le papa te regarde, bien fils. Et puis, deux jours après, ne donnez pas de fusil dans vos dots. Ne donnez pas de machette dans vos dots. Dis amen. Amen. Oh non, sinon je n'aurai pas la fille. Dans ce cas, je ne vais pas la voir. Oh non, le papa a dit, pour qu'il accepte ma dot, je dois rentrer sous ses jambes. Dis à ton ami, tu vas où? Tu vas où comme ça? Tu es rentré dans un autre monde. Et ça, on le voit. Même si on le prêche, il y en a quand même qui le font. Après, demain, ils pleurent. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas, ma vie est bloquée. Si je vous dis le nombre de personnes qui appellent, frère, vous aurez pitié de nous. Je vous assure, vous aurez pitié tellement que les gens souffrent. Je vous dis la vérité. Mais les gens souffrent aussi à cause de l'ignorance. Parce que la sorcellerie travaille dans les familles. Amen. Amen, amen. Alors, qui veut détruire la sorcellerie? Qui veut briser la sorcellerie dans la famille?
Ton amen ne me convainc pas. Qui veut briser les œuvres de la sorcellerie dans les familles? Alors, j'ai noté 7 points. Comment faire pour détruire les œuvres de la sorcellerie dans les familles? Et ensuite, nous allons prier. 7 points. Le premier point, tu veux savoir, si tu n'as pas Jésus, accepte Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que toute personne qui n'a pas Jésus est une cible favorite du diable. Il peut te mettre dans la casserole quand il veut. Le jour, il décide. Mais lorsque tu viens à Jésus, tu es transporté dans le royaume de Dieu. Non seulement tu acceptes Jésus, mais aussi tu te consacres, tu lui consacres sa vie. Ça, c'est la deuxième chose. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont donné une partie de leur vie. Et Jésus-Christ est dans leur vie juste comme sauveur. Mais il n'est pas le Seigneur. Là aussi, ça ne va pas. Amen. Amen, amen. Dis avec moi la consécration. Consacre à Jésus ton esprit, ton âme et ton corps. Donne-lui toute ta vie, pas une partie. Oh, pasteur, moi je suis un chrétien, je suis un pied dedans, un pied dehors. Quelqu'un dit, pasteur, je suis un chrétien non pratiquant. C'est pour ça qu'on arrive à t'avoir. On peut t'avoir facilement. Troisième chose, pour détruire les œuvres de la sorcellerie dans les familles, il faut confesser les mauvaises choses. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Jésus, mais qui ne confessent pas ce qu'ils ont fait. La Bible dit dans Actes 19, lorsque les gens ont cru à la parole, ceux qui avaient pratiqué les arts magiques, ils ont apporté leurs livres et on les a brûlés. Ils ont confessé. Il y a une puissance dans la confession. Il faut déclarer les mauvaises choses. Je donne un exemple. Tu as été victime de l'inceste. Même quand tu donnes ta vie à Jésus, si tu ne confesses pas cela, un démon va rester collé à toi. Tu as été victime d'un viol. Si tu n'exposes pas cela à un homme de Dieu, pour qu'on prie pour toi, même si tu viens prier, tu parles en langue, un esprit, les démons, aura toujours des pouvoirs sur toi. Amen. Quatrième chose, Jérémie 1:10. Il faut détruire. Dis avec moi détruire. Dis avec moi ruiner. Dis avec moi abattre. Dis avec moi arracher. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations pour que tu détruises, tu ruines, tu abattes et tu détruises. Tu arraches. Là, nous voyons quatre verbes d'action. Si vous voulez détruire les œuvres de la sorcellerie, ne soyez pas des chrétiens fatigués. Comprenez l'enjeu spirituel, entrez vous-même dans la dimension du combat pour vous. Car il y en a qui attendent seulement que les pasteurs prient pour eux. Je peux t'aider dans la prière, mais toi-même, tu dois t'impliquer pour ta vie. Oh, tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as entendu? Lève-toi et implique-toi par rapport à ta vie et la sorcellerie va lâcher prise. Wow. Cinquième chose. Je disais bien, il faut détruire. Et on détruit avec quoi? Avec la parole de Dieu. On détruit comment? Avec la prière, la foi. Et ce que nous allons faire tout à l'heure, on va détruire. Amen. C'est cinquième chose, hein? Cinquième chose, il faut planter et bâtir. Après avoir arraché, il faut planter. Il faut bâtir. Tu ne peux pas détruire les œuvres de la sorcellerie si après avoir détruit, la maison est vide. Qu'est-ce que tu plantes à la place? Amen. Même quand un démon part, la Bible dit, va dans le Lézard, il ne trouve pas du repos. Il dit, je reviendrai. S'il trouve la maison vide, il va s'y établir. Donc tu dois planter quelque chose dans ta maison, dans ta vie. Plante quoi? La vie de prière, la vie de jeûne, la consécration. Plante la parole de Dieu. Plante Jésus. Sixième chose. Entrer dans, comment je peux dire ça? Entrer dans son héritage. Et là, je vous donne Luc 10, verset 19. C'est un verset que nous connaissons. Dans Luc 10, 19, Jésus dit ceci. Vous connaissez ce texte? Il dit quoi? Ah, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire.
Cela veut dire que c'est ton héritage que de prendre possession de l'autorité. Quand Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir », cela veut dire quoi? Je me suis investi en vous. Parce que c'est lui, Jésus, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, au nom de Jésus. Et quand tu reçois le pouvoir, dans le grec, c'est exousia. Exousia qui veut dire la permission d'agir. Le diable n'a pas le pouvoir sur toi parce que lui, il a la puissance. La puissance, c'est le dynamisme, la force qu'il lance dans les attaques pour t'affaiblir et pour te détruire. Mais toi, tu as reçu le pouvoir d'être au-dessus de ça. Quelqu'un n'a pas bien compris la révélation. En fait, la révélation dit quoi? C'est que tu as un héritage. Dans l'héritage, Dieu t'a établi déjà. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, sache que la sorcellerie peut t'attaquer. Mais avec le pouvoir que tu as reçu, tu dois te lever au-dessus de ça et l'écraser. Oh, je vois quelqu'un qui a commencé déjà à écraser Satan, à écraser la sorcellerie dans sa famille. Oh pasteur, chez moi je sens des présences. C'est fini, quand tu rentres là, ces présences vont quitter ta maison. Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Une fois on était en Martinique, on est venu me prendre. On dit pasteur, chez moi il y a des fourchettes qui volent. Je dis quoi? Des fourchettes? Sans qu'il y ait personne, ça vole. Nous sommes partis, nous avons prié. Fini. Mais j'aimerais te dire qu'il n'y a pas que le pasteur qui peut faire ça. Toi aussi, quand tu rentres dans cette dimension, toi aussi, tu peux le faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Je disais que toi aussi, tu peux. Je n'entends pas. Toi aussi, tu peux. Tu peux. En sortant d'ici, dis, je suis révolté. Tous les squatteurs de ta maison vont quitter. Oh, moi j'ai des squatteurs. Quel squatteur? Tu dors et tu sens des présences. Quelle présence? Si c'est le Saint-Esprit, je dis Amen. Mais la présence que tu sens là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc personne indésirable. Ta place n'est pas ici. Allez, fous le camp. Dehors. Ça, c'est le pouvoir que tu as. Si tu veux détruire, tu dois rentrer dans cet héritage. Et dernier point, septième point, pour détruire les œuvres de la sorcellerie dans la famille, il faut réclamer, récupérer tout ce que la sorcellerie t'a volé. Qu'est-ce que la sorcellerie t'a volé? Ta paix, ta joie, tes enfants, ta famille, ton travail, tes projets, tes études. Qu'est-ce que la sorcellerie t'a volé? Qu'est-ce que la sorcellerie t'a volé? Ton avenir, ton futur? Tu peux réclamer cela. Tu peux récupérer cela. Est-ce que je peux parler à quelqu'un qui veut récupérer? Dieu dit, je vais vous remplacer les années que les sauterelles ont dévorées. Oh, je vois quelqu'un ce soir qui est rempli de la sainte colère de Dieu, qui dit, assez c'est assez, trop c'est trop, je me lève maintenant pour récupérer ce que le diable m'a volé. Tu vas récupérer. Tu étais appelé être millionnaire, mais jusqu'à aujourd'hui, tu es encore broke. Ils ont volé ton argent. Tu vas récupérer ça aujourd'hui. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tes affaires, il y a des gens qui te doivent de l'argent, mais n'arrivent pas à te donner pourquoi. Ils ont ça, mais ils ont un cœur lourd. C'est la sorcellerie. Aujourd'hui, tu vas récupérer ça. J'ai dit bien, les gens qui te doivent de l'argent, ils vont te rembourser. Je dis à quelqu'un, les gens qui te doivent te rembourser. Oh, ma maison était confisquée. On va te rendre ça. Oh, ceci. Oh, mon dossier est à la préfecture. Ils ont mis mon dossier à la 60e place. Non. Quelque chose va le prendre. Il va prendre ça. Il va remettre ça au dessus. Vous savez, la sorcellerie travaille même dans l'administration. Quelqu'un qui est envoûté, on peut prendre ton dossier comme ça. Lui, là, j'aime pas sa tête. Allez. On met ça là-bas, à la dernière place. Mais aujourd'hui, tu vas récupérer. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas récupérer. Pendant que je suis en train de finir mon message pour toi ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas le récupérer. Alors, avec beaucoup plus de force, je croyais que tu allais dire Amen. Je dis qu'aujourd'hui, tu vas le récupérer.
Ce n'est pas une affaire d'homme, mais c'est une affaire de position. Oh, ce n'est pas une affaire de la sorcellerie, mais c'est une affaire de fils de Dieu. Si le premier Adam a échoué, le dernier Adam a gagné. Oh, si le premier Adam a échoué, Jésus est venu et la Bible déclare que la postérité de la femme va écraser la postérité du serpent. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis allé à Jérusalem. J'ai vu l'endroit qu'on appelait Golgotha. Et lieu, Golgotha signifie vraiment lieu du crâne. Parce que vous allez voir que sur la montagne de Golgotha, c'est vraiment une forme de crâne. C'est-à-dire que ça me rappelle le crâne d'un serpent qui a été écrasé. Quand on écrase la tête du serpent, c'est-à-dire le serpent est inopérant. La tête ne peut plus fonctionner. C'est le cerveau qui commande tout. Mais quand la tête est écrasée, il n'y a que la queue qui bouge. Aujourd'hui, n'aie plus peur de la queue. N'aie plus peur de la queue. Parce que quelqu'un à la croix de Golgotha. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais quelqu'un à la croix de Golgotha. Il a remporté la victoire. Oh, si tu le crois, acclame très bien le Seigneur. Oh, si tu le crois, acclame très bien le Seigneur. Le Fils de Dieu. Hey. Hey. Le Fils de Dieu a paru. Pas seulement pour prêcher, mais aussi pour détruire. Nous parlons de la destruction. Oh mon Jésus, quand Jésus apparaît, quelque chose disparaît. Tu n'as pas bien compris. Jésus et le serpent n'apparaissent pas au même moment. Quand Jésus apparaît, le serpent doit disparaître. Les serpents qui avaient volé les choses dans ta vie, je suis en train de le voir disparaître. Oh, je disais à quelqu'un, je suis en train de le voir disparaître. Je suis en train de le voir disparaître.